Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul Nose parce que mercredi je suis allée chez Nose avec Adoration et il était temps que je vous filme le haul parce que je vais commencer par tout bouffer. Hein. Là j'ai pris de la nourriture, donc il était temps que je tourne. Et puis il y aura aussi une facteuse. Là j'ai un colis à aller chercher d'ailleurs. Et il y aura aussi les produits terminés. Donc tout ça c'est à venir. Alors on va commencer par ça. Elle a pris la même chose Adoration. C'était à 12,99€. On vous les a montrés sur le live en fait. Oui, bon, bah, c'est pas très discret et tout. Ça me fait penser vraiment, vraiment au Buffalo. Donc, j'étais hyper contente parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup le Buffalo. J'ai les mêmes en noir de chez Skechers. Et là, c'est XTY. Je me suis demandé si c'était pas Christina Aguilera, XTY. XTY, pardon. Et voilà. Parce que Christina Aguilera, quand elle écrit son prénom en abrégé, elle fait XTINA ou XTY ou je sais plus quoi. Bon, bref, t'as compris l'affaire. Donc, voilà. Comme dirait ma mère, des écrase-merde. Non, des platform shoes, mam. Des platform shoes. Donc voilà. Il y a même un petit dust bag, dis donc. Ah bah, je vais le garder au cas où. Moi, je jette les boîtes parce que laisse tomber. Sinon, on en a partout. Surtout moi, je viens de recevoir encore deux paires de chaussures. Il va falloir que je fasse un shop my closet aussi. D'ailleurs, il me restait des baskets à vendre. Les Isabelle Marant, je vais les revendre, je pense, parce que j'en veux des noires, en fait. Donc, allez voir mon Instagram. Je vous remets mon Instagram en dessous, en barre d'infos, parce que moi, je vends tout là-dessus, en fait. Là, j'ai vendu un sac Lacoste que j'avais eu en brocante il y a de ça 2 ans, je crois. Et rouge. Bon, voilà, il est parti. Alors, j'ai commencé à attaquer, bien sûr, le muesli, évidemment. Bah oui, il fallait vraiment que je filme. Donc, c'est un muesli noix et graines. Délicieux, d'ailleurs. Comme ça, il est trop bien. C'est un 375 grammes. Je ne sais plus si c'était bio ou gerbé. J'en sais rien, du coup, je ne sais plus. Ou autre chose. Il n'y a rien qui nous le dit. Donc voilà. Et ça, j'adore. Vessanen. Bah non, c'était peut-être ni l'un ni l'autre. Zonatura. Ouais, bon, bref. Voilà. Et ça, c'était un quelque chose. Ouais, je pense un quelque chose. J'ai pris aussi ça. Eco-friendly. Je crois que c'est en bambou. Apparemment, elle me disait Adoration. Est-ce précisé? Non. 60 centimes. Voilà, c'est une petite coupelle comme ça, très mignonne, ça fait très rétro. Alors, je pense que je vais certainement faire une brocante dimanche. Je devais aller à Disney demain, mais j'ai annulé. En fait, je vais aller voir ma grand-mère qui est toujours à l'hôpital. Je vous en reparlerai en live. J'ai pris aussi ça, donc c'était une décote à 60%, donc 5€ et passé à 2€, je crois. C'est pour mettre, pour faire mes salades, tout ça. J'aime bien mettre ça là-dedans. Est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Ah non, dommage. Bon, bah ça passera pas au lave-vaisselle. J'aimais bien la forme. Il n'y en avait qu'un au milieu de nulle part. Donc, je ne sais pas où, je sais pas d'où ça vient. Je vais le laver quand même. Hein. Ensuite, pareil, ça, j'ai commencé à le tester. Ketchup Bull's Eye. Celui-là, il est très bien. 0,2% de matière grasse. Que demande le peuple? Ketchup de tomate avec tomate séchée. Donc, très bien. Un ingrédient, purée de tomate, sucre, vinaigre, sel, tomate séchée, épaississant. Bien, très bien. 1€ et quelques, je ne sais plus. Pourquoi il n'y a plus les prix nulle part? C'est quoi ce bazar? Ah, je vous le montre quand même. J'ai mangé ça ce matin. D'ailleurs, il reste un petit fond. Hein. J'avais la même en fraise. Je l'ai déjà mangé aussi. Bah oui, moi, ça me fait ça plus quelques comme ça. Et ça me fait mon petit déj. Donc ça, c'était... Je l'adore, celle-ci. Elle est à 1,99€. Bon, ça reste assez cher. Mais c'est la confiture extra allégée pêche abricot bio. Je l'adore. Je m'en fous qu'elle soit allégée. Hein, c'est pas la question. Elle est allégée en quoi, d'ailleurs? Allégée en sucre. Ouais, bon, alors, tu vois. De toute façon, il n'y a pas de matière grasse là-dedans. Allégée en sucre. Ouais, 43% de sucre quand même. Donc, bref, je m'en fous. C'est parce qu'elle est hyper bonne, hyper fluide, hyper lèche. Donc, je pense que je vais retourner chez Nose. Ça se trouve, vous allez avoir un haul Nose parce que je vais en reprendre plusieurs. Et ça, donc ceci, il y avait 1 kg. Ça, c'est pareil. J'aurais dû en prendre plus parce que 1,99€ le kilo. C'est des figues sèches, elles sont trop bonnes. Et franchement, c'est hyper cher les figues sèches. Et là, il y avait 1 kg, donc je pense que je vais y retourner. Je vais prendre mes clés, ma voiture, et je vais y retourner. J'ai pris... Il n'y a vraiment que de la bouffe, 75 centimes. J'ai pris les petites vasas là au sésame, j'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, ça me fait un petit déj. Ou un 4h, quoi, tu vois. D'ailleurs, le 4h est loin, là, déjà. Ça, bah tiens, je vais peut-être manger ça ce soir, ouais. Haricots blancs préparés, ouais, j'aime bien ça. Elle en a pris Adoration aussi, c'était vraiment pas cher, quelques centimes, 60 centimes je crois. J'aime beaucoup, t'as 300 grammes, poilette et goûter 200 grammes, ouais, j'aime beaucoup. Kidney beans, c'est ça, kidney beans? Ouais.
J'ai repris de 1,80, je me suis dit, prends-le même si c'est le petit format, le Lénore, parce que ça sent super bon. Ambre et fleurs de gardénia. Ouais, et ben ça sent hyper bon. De toute façon, Lénore. Lénore, ça. Et ma soupline coco, mais je préfère entre tout ma soupline coco, hein, je vous le dis. J'ai repris du thé, bah, bien sûr, comme d'habitude, je le prends tout le temps, le Clipper Earl Grey à 33%. Top, rien à dire, parfait. Le Earl Grey, c'est goût bergamote. Ensuite, ah oui, mamie, j'avais oublié que j'avais un jean. Décidément, elle ne met pas de jean, elle ne fait qu'en acheter. Elle dit qu'elle n'en met pas, mais elle en achète. J'ai trouvé un petit carnet, vous savez que des fois, j'aime bien le petit carnet, je le trouvais trop joli, ça fait très rétro. Petit dessin Pinocchio, 50 centimes. Oh, c'est blanc, c'est lambda, enfin blanc cassé. J'aime beaucoup, ça c'est pour noter toutes mes dépenses. Et alors là, bah, je vous l'ai montré en live, 2,99. C'est un 25-32, donc moi ma taille normalement c'est 24-34, mais 25 ça passe. Hein. Ça passe. Donc c'est un jean qui faisait très années 2000, on était mort de rire avec Ado parce qu'il n'y a même pas le bouton, ça fait très Britney Spears. Tu vois derrière, tu as une poche enlevée, une poche comme ça. La marque, on dirait... Ça me fait penser à Quicksilver, mais en fait, c'est pas Quicksilver, c'est Americanos. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte? Merci. T'es fait où, toi? Varsovie. D'accord. C'est ça. Et du coup, en Pologne, hein, c'est ça. Et du coup, le bas, ça fait comme ça, très effiloché. Alors, vous savez que j'en achète souvent, mais je les refile souvent aussi. De toute façon, pour vous dire, les fringues de brocante, je ne garde pas tout. Franchement, parce que déjà en brocante, on ne peut pas essayer. Et puis moi, je ne veux pas essayer parce que je veux les laver avant. Donc souvent, il y a des trucs qu'une fois essayés, portés, etc. Ou même, je me rends compte des fois qu'il y a des zips qui ne marchent plus, des trous, tout ça. Soit ça finit en benne, soit je donne aux copines, etc. Je garde une moitié, je pense, même pas peut-être un tiers des vêtements que j'achète en brocante. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne me revoyez plus forcément avec les vêtements de brocante, c'est parce que je ne les garde pas forcément. Donc on essaiera ça. Et puis, bah c'est tout. Bah oui, c'est tout. Voilà pour le haul nose. On a déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait vite, mais je pense que je vais y retourner chez nous. Ou alors j'attends demain, c'est les arrivages demain matin. Après, j'irai voir ma grand-mère. Ouais. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.